Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à ce 29e et avant-dernier live. Le dernier, ce sera jeudi prochain. La consigne pour jeudi prochain, c'est soleil, paréo, lunettes et chapeau. Voilà, comme ça, vous savez déjà où on va. Ce sera un petit live un petit peu festif où on reprendra toutes les choses qu'on a vues au cours de tous ces confinements, mais de manière festive. Donc, vous pouvez mettre soit des petites lunettes de soleil, soit un chapeau, soit un paréo. Le maillot de bain n'est pas obligatoire, je tiens à le préciser. Et donc, voilà, ce sera une petite fête avant de se quitter pour l'été. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour m'accompagner sur ce live, notre ch'ti national, notre Jean-Marie. Et puis, je vous avais dit qu'il y aurait une petite surprise. Bonjour. Josette nationale. On s'est Alors, vu vous en quelques avez. fois déjà. Voilà. Vous en avez souvent entendu parler parce que je disais souvent salut Josette, Voilà. etc. Voilà. Elle est instructrice fédérale et elle est avec moi aujourd'hui. Et elle nous fera le retour au calme. Voilà. Merci, ma Josette. Et puis, deuxième surprise, je vous avais dit que je ne serais pas à la maison, effectivement. Bourgogne-Franche-Comté, je suis allée de l'autre côté de la France. Je suis exactement, bougez pas, elles vont vous le dire, puisque je suis venue aider à la reprise d'un club. Et les animatrices du coin ont gentiment accepté d'être avec moi aujourd'hui. Ne bougez pas, les filles. Attention, ici on est où? La Rochelle! Ici! Ici! C'est la Rochelle! Voilà, c'était la petite surprise. On est à La Rochelle en direct et on va faire cette séance tous ensemble. Voilà, c'est une belle image aussi de la reprise des activités dans les clubs. Et n'hésitons pas à y aller et à retrouver ses copains et ses copines. Est-ce que vous êtes prêts? Faites-moi la danse des pouces. Oui, parfait, super bien. Alors on y va. On commence par l'échauffement. Je mets la musique comme d'habitude et on y va. Attention. Et ça va vraiment pas, ça bug ce matin chez moi, là-haut. J'ai juste oublié de vous dire un truc parce que je les vois tous assises. Mais en fait, il vous faut une chaise. J'ai complètement oublié de vous le dire. C'est le soleil de La Rochelle. Il fait trop chaud. J'ai pas l'habitude en Franche-Comté. Allez, prenez votre chaise. Salut Nicole de Paris. Coucou. Voilà, j'attends que tout le monde. Voilà, Anne-Marie est partie chercher sa chaise, chez Luc et Gabriel aussi. Gabriel a l'air d'être déjà installé. Super, parfait, vous êtes hyper réactif. Excusez-moi, j'avais complètement zappé. Allez, cette fois-ci, on est parti, on y va. Alors, on est assis à la moitié de sa chaise. On va juste pour l'instant monter les bras. Voilà. Toujours avec le sourire. Parfait. Ça suit bien devant, ça suit bien derrière. Et ici, j'ouvre et j'alterne. Allez, encore, encore. Continuez comme ça. 4, 3, 2, les deux bras en même temps, mais c'est lent. Parfait. C'est ça. Bravo. Attention parce que je vous vois devant et derrière. Et on accélère ici. Continuez les mouvements de bras. Ne bougez pas. Parfait, encore 4, 3, 2, et on relâche les bras, on va juste les garder ici en running comme quand on est debout.
plein. On va juste accélérer ici les jambes. Ça va être parfait. Ça va toujours? Super. Encore. 4. 3. 2. Et ici, on va monter lentement. Les deux talons et on pose. Les deux, on pose. Hop. Avec les bras, je croise, je décroise. Hop. Allez, continuez comme ça. Parfait. Toujours avec le sourire. Et on accélère. Donc les mouvements de bras sont plus petits et plus rapides. Voilà. Encore. Continuez. 4. 3. Ça m'a l'air parfait tout ça. Et ici, que les bras en renient. Ça va toujours faire. Et ici, vers le haut, je ramène aux épaules. Si jamais vous avez mal aux épaules, vous savez, on va ici devant, ça marche pareil. Hop, voilà, notre Josette, on la voit sur le côté, elle fait devant. On n'hésite pas. 4, 3, 2, je vais rester ici en haut. Et je vais juste ici faire des petits mouvements de bras, comme si je poussais quelque chose vers le sol. Et là, on va reprendre les jambes en alterné sur la pointe des pieds. Parfait. Très joli ce petit ballet des bras. On est prêt pour le spectacle de fin d'année. 4, 3, 2, et ici je relâche. Je continue les jambes pour rester en mouvement. C'est un échauffement un petit peu plus soft parce que vous savez qu'on est en plein canicule et commence à faire très chaud à La Rochelle. Allez, encore. 4, 3, 2, ici, les pieds, en dehors du tapis, légèrement sur le côté, voilà, on fait attention, on n'emmène pas le genou à l'intérieur, ici on essaye de respecter les axes, encore, parfait, continuez, les bras le long du corps, et ici, même bras, même jambe, on lève sur le côté. Ça veut dire. Allez, encore, encore. 4, 3, 2, on double à droite. 1, 2 et à gauche. Oui, c'est l'autre droite, je sais. Allez, continuez. Parfait. Encore, encore. Allez, de chaque côté. Et on reprend un seul à droite, à gauche. Droite et gauche. Droite et gauche. Hop. On n'oublie pas d'inspirer par le nez, de souffler par la bouche. Et on redresse toujours son dos. Hein. Encore. 4. 3. 2. Et ici, on va allonger talon devant. Et on va reprendre les bras ici en running, mais en alternant le bras opposé à la jambe. Tranquillement. Encore. Deux, voilà, ne relâchez pas le dos, continuez comme ça. Ça fait super, c'est ça, parfait, continuez. Ne vous arrêtez pas.
Oui, c'est top, c'est ça. Encore, encore. 4, 3, 2, et si lentement, ça va être les deux, je pose. Les deux, je pose. Il faut contracter les abdominaux et garder le dos bien droit. Les bras le long du corps. Encore. 4, 3, 2, et ici les pieds à plat. J'inspire et en soufflant, je me redresse. Je relâche. Oh, c'était joli derrière les écrans. Et là, je fais le tour de ma chaise. Je marche et je reste derrière. Je fais bien attention à garder les distances. Je me décale. Et je marche. Restez derrière la chaise. C'est juste pour que les gens aient. Tête de chat droite. Hop, hop. Tranquillement. Ici, donc on est derrière sa chaise. Deux à droite. Un, deux et à gauche. Le bras, là où on va, l'autre main à la hanche. Parfait. Encore, encore, et on accélère le bras deux fois sur le côté. Voilà, c'est ça. Parfait. On reprend le bras lentement. On ouvre. J'allais dire j'éteins la lumière. Tout va bien. Ça va les filles? Elles sont sages, je les ai briefées avant. Un vrai cerbère. Alors, je vous propose pour la suite, avant de retrouver notre Jean-Marie National, un petit travail de coordination, comme je les aime beaucoup et que vous les aimez un petit peu moins. L'ensemble était sympathique, il risque d'y avoir quelques soucis. Donc, c'est toujours notre mouvement, et ce sera la dernière fois, puisque la semaine prochaine, ce sera différent. Mais il me semble que j'avais déjà dit ça la semaine dernière, c'était la dernière fois. Donc, c'est ici, les bras ouverts, je me recule peut-être un peu. Voilà. Ici. Je monte, je plie, j'ouvre et j'allonge. Encore une fois pour être bien sûr, je monte,
Je plie, j'ouvre et j'allonge. Parfait, on n'a plus qu'à se lancer. En place. Vous restez pour l'instant derrière votre chaise. Allez, courage tout le monde. Attention, je mets la musique. Pour l'instant, on marche derrière la chaise. Ici à droite. À gauche. Ça m'a l'air pas trop mal pour l'instant. Les deux bras en même temps. Allez. Et ici. Deux. Et on accélère. Deux. Et j'en ai déjà perdu en cours de route. Deux. Et on accélère. C'est juste ça. Deux. Voilà. Parfait. Continuez. Allez, encore. Juste ce mouvement, en même temps ça travaille les épaules. Dernière fois. Et ici. Toujours en marchant. Hop, hop. La même chose, on va avancer. Hop, hop, hop. On passe à côté de la chaise les filles. Et ici, on reprend. Deux. Et on accélère. Deux. Continuez. Double. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais ici, ça se marre bien hein, avec ce mouvement. Allez, encore. Deux. Voilà, parfait, chez tout le monde. Et ici, on marche sur place. On récupère pour les bras. Comme on est derrière sa chaise, on fait un petit tour. C'était la première fois. Mais en face, super. Je sais pas ce qu'en pense. Ça y est, ça papote, c'est parti. Fin de la récréation. Je sais pas ce qu'en pense Delphine, mais ça avait l'air super chouette en face et il y a des beaux progrès. Super. Voilà. Donc, bravo tout le monde. Je passe la main à notre Jean-Marie. On se retrouve tout à l'heure.
Bien, bon, ben, comme elle nous a bien fatigués, Séverine, ben, je crois qu'on va se rasseoir pour récupérer un petit peu et puis on va travailler un petit peu là sur la chaise. Alors, mouvement très simple, je le montre d'abord. On est assis sur la chaise, donc on est bien droit. OK, pas au fond de la chaise. Ah, pas comme ça. Hein, on est bien sur le bord de la chaise. Ici, on a les bras ouverts. Souple, souple. On reste souple. Les pieds bien à plat. Et on va, on inspire. Et on ramène en levant le genou. On inspire. On expire. Et on contracte bien évidemment les abdominaux. OK? Mouvement très simple. Mouvement de récupération. Allez, c'est parti. Ah, petit problème technique à régler tout de suite. La musique s'est désactivée. C'est parti? Voilà. Super. Alors, on s'assoit sur sa chaise. On inspire. Cette fois-ci, on va presser sur les pommes. Donc, on presse pour faire travailler les pectoraux. On inspire. On inspire. Bien sûr. OK. On pousse. Et on maintient. D'accord? On est prêt? Doucement là pour l'instant. Et on repart derrière. OK, ça c'est le mouvement que l'on va faire.
jamais le pied au sol, sauf si vous avez dit, et là, comme on est en appui, pas boire un petit coup, on va continuer sur le travail des cuisses. Est-ce que ça va toujours? Faites les pouces. Super, super. Les filles à La Rochelle, ça va? Oui. Faites les pouces. Faites les pouces. Alors. Super les filles. C'est génial, c'est super sympa de faire comme ça et avec vous en même temps, c'est trop drôle. Du coup, c'est pour ça que ça me fait bizarre. Je crois être dans ma salle à manger, mais non. Ça fait un peu trop de monde dans la salle à manger. Alors, on va se remettre sur sa chaise et on va travailler les squats. Pas les squats sumo avec moi, les squats normaux aujourd'hui. Alors, vous vous installez, comme vous a expliqué Jean-Marie, à la moitié de la chaise. Salut Michel de Saint-Gély, j'ai reconnu le mur. Alors, les pieds bien à plat au sol. Vous avez les pieds ouverts de la largeur de la hanche. Hein. Ici, je rentre le ventre, je me grandis. D'accord. Vous allez, on va faire un petit essai parce qu'il s'agit de tâtonner, de ne pas s'éloigner trop de sa chaise. Donc, vous allez vous aider des bras. Vous allez inspirer par le nez et hop, je souffle. En revanche, je me mets de profil.
quand j'arrive, je ne suis pas complètement remontée pour l'instant. Je suis légèrement, ici, toujours pliée. C'est déjà, c'est un petit tâtonnement pour pouvoir se rasseoir sans, sur sa chaise. Merci les filles. Pour être sûre que vous n'êtes pas trop loin. Donc, on va faire une petite série comme ça. Hop, hop. Vous nous excusez, les chaises grincent. Ce ne sont pas les filles qui grincent, ce sont les chaises. Hop, et relâche. Voilà, on fait une petite... Oh, bah, fallait bien que la fasse. Vous allez, on va faire ça un petit moment, et ensuite, regardez d'abord, on fera des complets. C'est-à-dire, je vais inspirer et je vais remonter complètement. On l'a déjà fait. Mais quand je remonte complètement, rappelez-vous ici, là, j'arrive, je garde la flexion et je me rassois. Et je remonte. Et je me rassois. Ça marche ? Ça roule chez vous ? Super ! On s'assoit, on se prépare. Avec le sourire, évidemment. Et on y va pour une petite série ou deux ou trois ou quatre ou cinq. Non, je plaisante. Je vois maman qui me fait... Elle n'avait pas l'air enchantée non plus. Allez, on se prépare. Toujours le temps de la préparation. Ici. On inspire. Et souffle. Inspire. Et souffle. Inspire. Allez, je ne vous le dis plus. Je donne le rythme. Avec le sourire. Hop. Hop. Tranquille. Pas trop, ma petite maman. Filmer. Ouais. Encore. Super Yvette, c'est ça. Coucou. Encore. 4. 3. 2. On ne s'assoit pas. On reste. On allonge. Ça va pour vous ? Ça va vos cuisses à vous ? Sylvette. 4, 3, 2, et on s'assoit, et on piétine, et on masse. Continuez, piétinez et massez. Il y a un petit troupeau derrière. On arrête de piétiner. On a le droit de s'hydrater. Je vais être super gentille aujourd'hui. Je vais vous faire qu'une seule série. Elles n'ont pas l'habitude, hein, vous avez entendu. Alors, hydratez-vous, c'est important. Surtout qu'il fait chaud un petit peu partout. Et puis, mon Jean-Marie, il me semble que c'est à toi, non ? Yes ! Je ne suis pas sûre qu'il soit plus gentil que moi. Hein. Je pense pas, non. Qu'il est vilain. Non. Non, tu es un amour. C'est vrai qu'on va travailler. Bon, je ne vous fais pas grimper au rideau, là, aujourd'hui, hein, comme d'habitude. Là, on va travailler beaucoup plus du renforcement musculaire. Donc là, on va faire... Elle a parlé des squats sumo. Elle n'a pas voulu assumer le squat sumo. Elle m'a dit, tiens, Jean-Marie, tu te démerdes avec les squats sumo. Eh ben moi, je vais les faire, les squats sumo. Allez, squats sumo, vous savez tous ce que c'est. On en a déjà fait ensemble. Donc... Squat sumo, j'explique. Donc, on va bien sûr garder sa petite chaise, on va prendre appui sur sa petite chaise de façon à ne pas
perdre l'équilibre ou quoi que ce soit, et puis ça nous aidera aussi à nous relever éventuellement. Squat sumo, on écarte beaucoup plus que la largeur des hanches, voire même des épaules, et on ouvre les pieds. On ouvre les pieds vers l'extérieur, d'accord, de façon à donner une direction à nos genoux quand on va descendre. Le fait d'avoir orienté nos genoux vers l'extérieur, enfin les pieds vers l'extérieur, nos genoux vont suivre, d'accord, et on ne les mettra pas comme ça. Parce que si on part comme ça, on a tendance à faire ceci, et ça, c'est pas très bon du tout. Donc, on écarte bien et on ouvre bien et on suit. Ok, ça, c'est le squat sumo. Ok, donc on montera, on descend bien droit. Ok, allez, on va commencer notre petite série de squat sumo. Allez. On se met derrière sa chaise. On est prêt? On lève la cuisse, on écarte. On est prêt? Allez, on descend. On remonte. On descend. On remonte. Allez, c'est parti.
Et on relâche. On fait le tour de son gel. Allez, serre. Et on passe la parole, ça fait le temps, on filme. Allez, à toi. Merci. Coucou tout le monde, nous voilà. Les filles à La Rochelle, elles disaient la première série, oh là là, qu'est-ce qu'il est plus gentil que toi, Jean-Marie. Je leur ai dit, ça va pas durer. Et ça n'a pas raté. Mais c'est comme ça qu'on l'adore. Je vous propose, alors pas les filles ici pour qu'on puisse garder les distances, les distanciations sociales, mais à la maison, il me semble que Josette, tu n'as pas besoin de la chaise. Pour le retour au calme. Voilà, notre Josette arrive. Donc, vous pouvez ranger votre chaise. On n'en a pas besoin pour le retour au calme. Il y a juste les filles ici qui vont les garder pour les distances. Donc, nous, on va juste enlever les deux autres. Comme ça, voilà. Ça te laisse toute la place, ma Josette. Allez, hydratez-vous si ça n'est pas déjà fait. Le temps qu'on mette la petite musique en route pour Josette. Je baisse un petit peu le volume. Est-ce que ça va toujours? Super. Hop. Voilà, on va mettre la petite musique en route. Alors, notre Josette, c'est sa première derrière la vidéo. Et elle a un petit peu le trac quand même. C'est pas un peu, c'est beaucoup. Voilà. Allez, mettez-vous en place et c'est parti pour le retour au calme. C'est laquelle, la 9? Oui, il n'y a plus qu'à faire. Voilà. Voilà. Alors, c'est la musique du Titanic. On ne va pas couler, mais c'était histoire de mettre un petit peu de marine dans notre affaire puisqu'on est à La Rochelle. Donc, on commence par bien se positionner. Prenez le temps de vous mettre bien d'aplomb. Sur vos deux pieds, genoux déverrouillés. Chez nous, on dit poitrine orgueilleuse et fesses modestes. Mais ça veut dire la même chose que ce que vous dit Séverine. Doigts tout là-bas.
j'étire et j'oublie pas de respirer. Le pied qui était ouvert, on ouvre l'autre pied, je plie, et alors, là, attention à la fesse modeste, ma discipline, bien favoriser l'étirement. Et je rappelle, belle respiration tout en inspire. Je voudrais terminer par quelque chose qui est un clin d'œil. Je mets mon bras, ma jambe, talon au sol et je vais plier l'autre jambe. Et je vais faire un magnifique dos plat. Ça ressemble à une révérence. Je voudrais faire une révérence à Séverine, à Delphine, à Laura, à Véronique et Nicole, vous avez bien votre dos plat pendant ce temps-là. À toutes celles qui nous ont aidées pendant ce confinement. L'autre jambe va être pour faire la révérence à Mathieu, à Maxime, à Michael, au ch'ti. Est-ce que j'ai oublié personne? À toute l'équipe de la DTM, vous tenez bien votre étirement pendant ce temps. L'équipe de la DTM et puis tous les animateurs et administrateurs qui font vivre les clubs. Merci à eux, chapeau bas. Inspire tout là-haut. Alors on va se mettre en position titanique. Vous vous souvenez de Leonardo et Kate? Ils ouvrent bien leur cage pour prendre l'air du large. Vous avez un grand bol d'air du large. Inspire et souffle en ramassant les ailes. Reprends. Inspire là-haut. Toujours aux poitrines orgueilleuses et fesses modestes. Souffle. Quelques vagues encore. Aussi un peu bouger les pieds, ne pas tarder à quitter le navire. Tout en haut, inspire, tirez d'un côté. Tout en haut, je tire bien à côté. Inspirez, soufflez, descendez. Et voilà. Je vous remercie beaucoup. Quelques vagues, vous bougez. Merci beaucoup à tous et bravo à tous ceux qui suivent. Et puis vive la retraite sportive. Merci beaucoup Josette, merci à tout le monde, merci à notre Jean-Marie. J'espère que vous avez passé une bonne séance. En tout cas, c'était un plaisir de la partager depuis La Rochelle. Semaine prochaine... Les filles, jusqu'au bout. Semaine prochaine, on se retrouve à 9h30 pour le dernier live. Si vous le pouvez, essayez d'aller réviser sans les baguettes.
We Will Rock You. C'était une vidéo qu'on avait fait au premier confinement où ça faisait. Voilà, on va la reprendre pour finir la semaine prochaine. Voilà. Je vous fais des gros bisous. On vous dit au revoir. Merci, bonne semaine. Merci à vous, merci beaucoup. Merci.